Tarie, la tour Eiffel est si magnifique. En regardant à la tour, je sentis magnifique. Je l'aime depuis l'âge de 5 ans. Tu sais, on vient de la peindre en couleur quenelle brune. Et on repeindrait encore en 7 ans. Beaucoup de touristes sont allés au sommet de la tour. Et il devient souvent dégoûtant. Puis il vient à moi. Il m'apporte beaucoup d'argent. Maintenant, quel est ton problème? L'Arc de Triomphe est tombé sur ma tête. J'avais besoin de suture. Il faut les dénouer. Oui, il faut les dénouer. C'est le monument national. Elle est sur la rive gauche. Elle a été faite pour l'exposition en 1889. Elle a été construite par Monsieur Eiffel. Montons, jouons du classique américain. Ça va? Pas mal, mon vieux copain. Ça va? Très bien. C'est bon. Je te téléphone pour te demander à tout vous skier le week-end prochain. Tu me blagues. C'est août. On ne peut pas skier. Il n'y a pas de neige. Crois-moi, nous skierons. Je pensais d'une méthode d'entraînement quand j'ai inventé mon ski de tout le terrain. Nous n'avons pas besoin de neige. D'accord, je vendrai. Est-ce que tu me rencontreras à l'aéroport de Grenoble, Grand Singe, Poilu? Oui, bien sûr. N'oublie pas les bières. Nous allons avoir quel diable d'un week-end. Je n'oublie rien depuis le temps
le matin hier, quand j'ai oublié de mettre mon pantalon. Ha! Go. Ha ha ha! Quel phénomène! Au revoir! Au revoir! Hi, Miss George. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Regarde. Comment est-ce qu'il y a Marshall? Comme les skis réguliers. J'irai le premier. Je pense que je me suis cassé la jambe. Je vais chercher l'aide. Ok. Voici une chanson que j'ai apprise en russe. Mon Dieu, ma jambe. D'accord. Voici une autre chanson que j'ai quand j'étais un garçon. Mon Dieu, je vais mourir. Infirmerie, donnez-lui de morphine. Et téléphoner à Dr. Fontenelle. Ah, Marcel Comte, toi. Dr. Fontenelle est un vieux compagnon de moi. C'est le plus bon échiquier en Europe. Tu es une excellente serveuse. Bonjour, mademoiselle. Sacré bleu! Hold on. Quel bric-à-brac! J'ai cette voiture depuis 1973. Je vais mourir. Où est Kevorkian quand tu en as besoin? C'est ça. On en sait, tu payes, je pars. Tu communiste. Tu ne peux pas partir? Regarde-moi! Ces habitants, je n'ai jamais pensé de me trouver à la tombe du général Saint-Marido. J'essaie d'arriver ici depuis mon arrivée. La semaine dernière, General Saint était une grande vedette du rock qui est mort malheureusement en 1971. On l'a enterré à Paris où il est mort.
D'accord, je suis rentré. Je viens d'aller à la tune de Jim Morrison. Il m'inspire à écrire une chanson. Monsieur, non! La morphine! Bonjour Simon, mon vieux copain de l'université. Il y a longtemps que je t'ai vu. Est-ce que tu te rappelles ce jour quand tu as oublié de porter son pantalon? Oui, bien sûr, c'était le même jour que tu as léché le MC sur une cavadasse. Anesthésie. Le turn B. La perceuse. La scie. Du pansement adhésif. En se trouvant dans le centre de la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe est le plus beau monument à Paris. C'est le plus grand arc triomphal du monde. Napoléon a bâti en 1836 pour célébrer les victoires de ses armées. Après la Deuxième Guerre du Monde, on enterrait le soldat inconnu sur l'arc. Il apporte dehors mes émotions en Brésil. À qui est cette jambe? Ce n'est pas la mienne.
C'est la tienne. Non, ce ne peut pas être la mienne. Moi, jamais. Non! Some Swiss junkie in Germany.
cela.